Alors, prix suivant. Donc, lauréat suivant, toujours dans la catégorie solaire. On est très heureux d'accueillir pour la division 20 000 à 100 000 habitants, Monsieur Sirani, élu en charge de l'environnement pour la ville de Bemao, en Guadeloupe. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Au nom du maire de la ville de Bemao, Monsieur Chalus, je vous apporte la chaleur des Antilles. Alors, nous vous remercions déjà pour ce prix qui nous fait très chaud au cœur. Alors, la pose des panneaux voltaïques, c'est une belle aventure qui a commencé en 2007. Et en fait, donc, suite à un appel d'offres, la ville a mis à disposition un certain nombre de toitures de ces édifices communaux, en fait, ces différents bâtiments, à disposition d'entreprises pour pouvoir entreposer les panneaux solaires. Alors, ça a été un succès dans la mesure où, en 2008, nous avons constaté que nous étions à 1200 kW. En 2009, nous sommes passés à 3000. En 2010, à 7000. Et aujourd'hui, à 14000. Alors, voilà tout le succès de ce projet. Donc, on a initié les partenaires, la population, et il y a un engouement vous qui se développe au fur et à mesure. Mais le succès de 2011 émane surtout du port autonome de la Guadeloupe, avec 24 000 m² de panneaux entreposés, ce qui alimente aujourd'hui à peu près 900 habitants et qui par là même aussi nous permet d'économiser 38 000 tonnes de CO2. Donc c'est formidable pour notre collectivité. Nous avons des projets ambitieux. Je suis très content et très honoré aussi en matière énergétique et aussi d'apprendre aussi que nous sommes les premiers à nous intéresser au label CITERG. Alors donc, que l'aventure commence et puis encore une fois, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.